Balandia Congo Live Télévision, merci pour vos akas ebele ya kulanda chaîne YouTube Namno Congo Live. Oyo le belarabino bosolo mboka Congo, lelo penza tweki bongo ko zwa penza likanisi ya mouvement citoyen Echa o basali bongo déclaration politique na bango pour na kosenga bongo libération ya mwana mboka John Tshibangu oyo kangeme esali penza mbule ebele kasi bango tomonaki chef de l'état penza saki mesure de grâce à Misaki Badiomi Ndongala à exilé politique Bazongi tomoni Frank Dionga bimi kasi John Tshibangu tope mona mboka edika pende solution na mango ezali ko zomete yango e shabaki lelo penza pona ko loba ko lelela tata ya ekolo Congo Félix Antoine Tshisekedi a libéré penda John Tshibangu toti nombo la déclaration et puis tokutani bongo na sima numéro 001/SARDC/AZADO/FIDH/NMDH/LE/NIX/HR/2019. La prise en otage du colonel John Tshibangu par la justice militaire est inacceptable. L'engagement citoyen pour les changements, SARDC en sigle, l'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO, la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, les amis de Nelson Mandela pour la défense des droits de l'homme, ANMDH, la Ligue des électeurs, LE, No Impunity for the Congolese State, NIX-HR en sigle, sont très préoccupés par la prise en otage du colonel John Tshibangu en violation de l'article 19 de la Constitution par la Cour militaire de Kinshasa, Gombe. En date du 28 janvier 2018, le colonel John Tshibangu a été enlevé en Tanzanie par des agents des services de sécurité de la RDC, n'ayant aucun mandat, et a été extradé vers la République démocratique du Congo en violation de toutes les procédures en la matière. Après avoir été torturé et détenu à la DEMIAP dans les conditions ne garantissant pas le respect de ses droits fondamentaux, le colonel John Tshibangu continue à être détenu à la prison militaire d'Indolo en dépit de toutes les mesures de décrispation politique envisagées en faveur de tous ceux qui s'étaient opposés au régime de M. Joseph Kabila. Contre toute attente, par la décision du renvoi du 6 mai 2019, l'auditeur supérieur militaire a envoyé l'affaire du colonel John Tshibangu sous RMP 3104/18/MAC en fixation devant la cour militaire de Kinshasa, Gombe. Après une année et 6 mois de détention irrégulière et malgré la décision du renvoi, le colonel John Tshibangu était toujours privé de son droit constitutionnel de présenter des moyens de défense devant un juge compétent. SARDC, AZADO, FIDH, ANMDH, Ligue des électeurs et NIX-HR considèrent que le colonel John Tshibangu est détenu pour autre motif que c'est présenté dans la décision de renvoi. Les organisations signataires du présent communiqué se demandent comment quelqu'un à qui le président de la République avait ordonné la libération soit toujours maintenu en détention. Face à ce qui précède, les organisations signataires recommandent ce qui suit. Au président de la République, 2. Faire bénéficier au colonel John Tshibangu de toutes les mesures de décrispation prévues en faveur de toutes les personnes qui étaient en exil, arrêtées ou condamnées pour s'être opposées au régime de M. Joseph Kabila. À la cour militaire de Kinshasa Gombe, 2. Permettre au colonel John Tshibangu de présenter ses moyens de défense devant un juge compétent. Tenir compte de la volonté du président de la République de libérer le colonel John Tshibangu qui pratiquement a précédé l'arrivée de la décision du renvoi à la cour militaire
de Kinshasa à Gombe et de garantir une justice équitable. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le colonel John Tshibangu puisse bénéficier des soins médicaux adéquats et exigés par son état de santé. Fête à Kinshasa le 24 juillet 2019 pour les signataires. Monsieur Ben José Luendou, coordonnateur principal du mouvement citoyen RDC, Maître Jean-Claude Katende, président de la ZADO, Monsieur Paul Nsapu, secrétaire général de la FIDH, Monsieur Robert Ilunga, directeur exécutif de l'ANMDH, Monsieur Patrick Tambo, secrétaire exécutif de la Ligue des électeurs, Monsieur Nera Kanyinda, directeur exécutif adjoint de NIX-HR, nous disons un nouveau remerciement. Je voudrais savoir qu'est-ce qui motive les ONG des droits de l'homme à pouvoir suivre les cas de toutes ces personnes-là, surtout des hommes en uniforme. Elle a parlé du cas de Kapend, hier, aujourd'hui, c'est John, le colonel. Bon, ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes des organisations de défense des droits de l'homme. Nous suivons tous les cas où nous constatons qu'il y a une violation des droits de l'homme. Par exemple, dans le dossier de Kapend, nous avons relevé que les procès n'avaient pas été équitables. C'est ce qui a fait que nous puissions lever notre ton pour faire des bruits de manière à ce que ces gens-là soient rétablis dans leurs droits. Et par rapport au dossier du colonel aussi, c'est le même constat qui a été fait. D'ailleurs, les conditions dans lesquelles il a été pris au niveau de la Tanzanie, il a été pris par des agents des services de sécurité de notre pays qui l'ont pris sans mandat ni droit. Alors que par rapport à l'extradition, il y a une procédure qu'il faut respecter. Donc quelque part, il y a une violation des droits de l'homme. Et nous l'avons relevé aussi dans le communiqué de presse par rapport à l'article 19 et l'article 18 aussi, qui consacre à ce que toute personne qui est arrêté ou détenu, que cette personne puisse être présentée devant son juge naturel. Et dans les cas précis, vous constaterez avec nous que ça fait déjà une année, 6 mois, que le colonel John est en détention et qu'il n'a jamais vu son juge naturel. Donc pour nous, nous disons que ce délai est largement dépassé. Mais nous nous réjouissons déjà parce que les procès déjà commencent demain. Et par rapport aux actions qui doivent suivre, qui fait toujours sienne de la question, il y aura les procès qui commencent déjà demain. Nous allons aller au procès. Nous vous invitez aussi à être nombreux pour couvrir ces procès-là. Et nous allons présenter les moyens de défense de manière à ce que le colonel puisse avoir la liberté, nous avons dit. Dans le poteau, tous les autres cas sociaux. Bozali Boabiso, le quoi la organisation, le quoi l'ingomba, ezali mingi mingi pour na maematali social. Nakanisi, makambotali social ezali ebele. Tokoki kota la nyo sombalamo kote, tokoko kapete. Yangwana tota la kamingi, oyo ezana mwa motuya. Ce qui bolandi malamu bokomona, ba ninga na biso ba susu lelo yo ba mekai pe ko tombola mwa mungongo pona ko sala mbela epa ya ba sénateur ba meka ko pona moto yo asengeli na ebongo ya mokozi ya sénat totala ka nyoso beto meka ka kotala auto monique e ko ki kozala na mwa motuya nde yango to sala ka mbela ya corona yango. Merci beaucoup. Merci. Je crois que je vais répondre à la question de notre ami. Nous avons réussi à faire libérer 7 militaires qui étaient injustement incarcérés à Makala pendant plus d'une année. Les 7 militaires ayant servi la MINUSCA au Centrafrique. Nous avons initié des plaidoyers, nous avons fait des déclarations. Ces militaires-là ont été libérés sans procès parce qu'ils étaient détenus en violation de leurs droits fondamentaux. Nous avons fait libérer un colonel qui ne veut pas vraiment qu'on cite son nom.
qui est libre. Certains journalistes le savent parce que ce sont eux qui m'ont contacté. Tous les militaires de Bemba qui restaient en détention ont été libérés sur base seulement de déclarations que nous avons eu à faire. Donc, si aujourd'hui nous sommes intéressés au cas Tshibangu, c'est parce que nous avons senti qu'il y a un cas de violation des droits de l'homme. C'est ce qui nous intéresse. Le reste, ce n'est pas notre problème. Donc, ce que nous sommes en train de faire demain, nous reviendrons encore ici pour, si jamais le président de la République intervenait, ce que nous souhaitons d'ailleurs, pour les remercier pour avoir libéré Tshibangu. Parce que nous y croyons. Ne vous inquiétez pas, le travail que nous faisons, c'est un travail de fond. Et les résultats sont visibles. Merci. Merci. Comment va, allez-y. Demain, c'est déjà les procès qui commencent avec Ronald Johnny. Oui. Quel est votre sentiment en tant membre de famille de ce général en détention depuis plusieurs temps? L'activité qui sera demain, on est très content de ça parce que notre frère a été enlevé de notre pays jusqu'ici chez nous. Bon, depuis qu'il est arrivé, il est incarcéré dans la prison. Il était d'abord caché, détenu dans des conditions inhumaines. Et maintenant, nous, on est très content que le procès qui va commencer demain sera dans notre avantage. Avez-vous un plaidoyer à faire auprès des autorités compétentes? Bon, il faut qu'on lui considère lui-même, il sait quelle plaidoirie qu'il va La famille exige qu'il y ait un procès équitable à sa faveur. Mais comment se présente-t-il? La santé, comment il va? La santé, il a été malade, maintenant ça semble aller par la grâce de Dieu. Il est maintenant, je crois, à l'hôpital, maintenant quand il va quitter, il va entrer à la prison. Il a eu les soins? Il a eu les soins par-ci, par-là, mais nous on ne tient toujours pas compte des soins, mais on demande l'autre de le soigner. Ça. Ok. Qu'est-ce qui va devenir? Parce que nous, on a confiance à la justice maintenant en place. Je crois. Okay. Oui, vous êtes monsieur Moulumba de Moulou. Frère, Moulumba de Moulou, le grand frère de Tshibangu. La fixation de ce dossier est faite sous notre pression. Et nous avons estimé qu'il fallait qu'on continue à dénoncer car il s'agit là d'un cas de violation des droits de l'homme. Tshibangu a été enlevé sans mandat d'extradition, sans mandat d'arrêt international, sans PV d'extradition volontaire. Donc tout cela constitue de manière claire non seulement une violation des droits de l'homme mais la violation de la procédure. Alors nous avons estimé que c'est un procès, je dirais, de la honte. C'est un procès parce que, suivant l'article 18 de la Constitution, Tshibangu devrait être libéré immédiatement. Parce que, comme vous le savez, cet article stipule que la garde à vue, c'est pendant 48 heures. Au-delà de ces 48 heures, la personne arrêtée doit être soit déférée devant son juge naturel, soit libérée immédiatement. Dans les cas d'espèce, l'arrestation arbitraire de Tshibangu est allée au-delà des 48 heures. Donc, une année et 6 mois, ça n'est trop. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui devrait être jugé, étant donné que son dossier est vide. Nous estimons que le juge sera quelqu'un de bonne foi, sera face à sa conscience pour que notre frère puisse bénéficier de sa liberté. Et c'est tout ce que nous exigeons. À qui le prochain tour? C'est à tout Congolais dont les droits seront violés. Merci beaucoup. Si Awa, pour la redénoncer, procédure, Oyo, ils allaient appliquer un traitement à dossier à
ndeko na biso un citoyen congolais John Tshibangu oyo lelo aza kobela makasi na kati ya prison Ndolo ndeko wana akangamaki depuis 2018 ça fait une année 6 mois depuis akangamaki banlevaki na Tanzanie sans PV d'extradition sans mandat d'arrêt international sans quoi que ce soit et ba memi na demiap après torture lelo na prison Ndolo azo bela makasi. Après Kota Layango, nous avons compris qu'il s'agit d'un cas de violation. Il y a droit na ye. Droit na ye, ils allaient respecter T. Parce qu'Aza Congolais, article 18, il a constitué le lobby boye. Moutou Mokangami, a kosa le obé Mikolomi Balé na Boloko. Au-delà de Mikolomi Balé, il faut bâtir na ye, soit devant juge naturel na ye, soit donc na parquet, pour la juger, soit bâtir kaye libela. Nali Kambetel John Tshibangu tomoni été droit naye eza violé parce que au-delà d'une année déjà il s'agit d'une arrestation nenge bato a lopoto ba bengaka arbitraire na yango omoni ba ONG de H donc toutes les ONG de droits humains au bomoni wana na biso ba mouvement citoyen to sangani lelo pour na ko inviter communauté tant national qu'international bata la likambo ya ndeko oyo droit na ye ezali violé procès au bandalobi tozo ko message oyo eza juste aussi adressé na juge oyo a ko gérer dossier à Tshibangu lobby pour ayebake il est seul face à sa conscience vis-à-vis de tous les citoyens congolais pour na agiger likambo wana en toute responsabilité et avec justice sans état d'âme. Yango elo ko sangisi biso lelo yango wana. Tshibangu azali zone de guerre. Est-ce que condition sous na wana pratique condition sous tanga wana est-ce que kuna Tshibangu en tant que prisonnier de guerre en tant que rebelle bakangi en tant que rebelle est-ce que comment ezali applicable selon bino? Président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'obaki boye. Bayenyon so bakangamaki pour s'être opposé na régime Yandeko Kabila, bakoza la libérer sur mesure de décrispation. Donc, oyoto bakangamaki de 2017, ti 2019, bakoza la libérer. Oto ko senga. Ezali eloko moko euti na mutu na biso te. Nous avons un cas précis au toko benga jurisprudence. Ndeko oyo bobengi Eli Kapende. Ndeko Eli Kapende apesaki ndeko Kabila 15 jours sino te akobengane na bokonzi. Ndeko Eli Kapende akangamaki asali sans mobimba na boloko te. L'air ndeko Tshisekedi aye abiba libéré batu Eli Kapende azaki parmi batu aliboso ba libéré. Lobi tozaki naye awa Tozaki ne pena cimetière ya jour ya 8e anniversaire à Chebeya. Ezalika ya jurisprudence. Ce qui est Kapende a salaki même infraction que Tshibangu. Comme menacer Kabila pour la kobengane na bokonzi. Pourquoi seulement Eli Kapende na cause à la libre Tshibangu akangama? N'est-il pas un citoyen le roi Eli Kapende? Je crois que oui, aza citoyen le roi Eli Kapende donc azo mérité pe azala libre le roi Bamoussou. Merci beaucoup. Bon, avant il y a avant madame, tout ce qui est déclaration de Bosoté pour la moi Namboka, John Tshibangu. Et déclaration, il y a au moins troisième déclaration pour la mais si on a déclaration de Bosoté, le Bela Bajeko, Béa, Baza, Bamita, Idepes, le Bela Bakaban Chambou, le Bela Bela Kamina Sapo Bakanga. Et tout le Bela prisonnier, Oyo. Politique, c'est-à-dire au nom de la réconciliation à chef de l'État, il faut battre soit un ababima, parce que ça va tout bounder la mboka, benga, babounde la mboka à l'époque il y a Kabila l'air à Zagé président. Donc c'était ça. Nakozong a moutoune à John Tshibangu pour les lots sur sa déclaration et oye moi c'est parce qu'Azaki n'a une maladie. Tout le monde que le dossier n'a compliqué. Bato va jouer en otage, baza. Aza Kabila na batonaye o bazo linga John Tshibangu abimate parce que le président de la République Félix Tshisekedi a passé déjà une instruction John Tshibangu abima depuis le 7 avril
Mais pour Nabiso, tu le dis, mais jusqu'alors, comment as-tu dit, tes problèmes, Nini, et Zoko Kanga, moi, dans mon cas, tu as dit, tu as bénéficié de la liberté locale de la Batunion. Parce qu'il y a eu pété, à Bomate, mais à Bundela Pemboka, à Lobi, à présent, Oyo, à Ocholo, à Kiti, à Lobi, non, il y a respecté la constitution, au sein de ces élections, dans Dengue, il y a eu au sein de ma peuple, qu'on le pardonne, dans Dengue, profana, à l'église, sur Bolanda, vidéo, Wana, à dire, là, mon Bundela Mboka. Alors comment est-ce qu'il y a un côté qui a un cachot sukoyo tant que chef de l'État a l'obac qui prend la réconciliation. Il y a un moment, tu profites de la belle qui a ce qu'on a dans l'hôpital, tu as un peu de dans l'hôpital, tu as un peu de temps, tu as prisonnier, Yabatu, c'est-à-dire Aza prise en otage par un groupe des individus. En est il faut que le lango que Bassa Misaye et ba libérer pays il faut Aza mon amboka Aza le quoi ça dit à ma bête. Vraiment merci beaucoup Christian Lumuna Rosol et l'autre temps m'invité aux ala invité dans la Nicolas Koya. Oui, to comme na souka ya point de presse na biso ya Echa au penza bali bongo moko ya ba mouvement citoyen basangana kina Luc des électeurs Azado. Pour la libération à mon amboka, John Tshibangu, to ébiter état des droits, oyo président Félix Tshisekedi, état des droits, kota bongo na mboka na mso Congo, yango pe, ba imboka, bazaye ko senga penda libération à mon amboka, John Tshibangu. To komi bongo na souka émission na biso, merci na oza ki bongo na sima caméra, Guy Botambela, merci na blandi, oyo ba soutenir na biso, na mikila poto na moni, mon vieux Roger Luma, mon lobe mounen, président Félix Antoine Tshisekedi, un tonton doux de caractère, mon vieux David Olito, sans oublier chef d'état-major, mon vieux papi Kawaya depuis Paris.